Diorana et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ça pousse au Fénois, le mag. Quand on évoque les agrumes en Polynésie, chacun de nous pense aux saveurs sucrées des pamplemousses et au fameux citron des Marquises. Mais comment oublier les précieuses et tant attendues oranges du plateau de Tamanu? Tous les ans, leurs porteurs parcourent les flancs escarpés de la vallée de la Punaru pour nous permettre, le temps de quelques mois, de déguster cette délicieuse orange qui font la fierté de la commune de Punaouia. L'oranger a été introduit aux îles de la Société en 1767 par le capitaine Cook. Au 19e siècle, il y avait des plantations très importantes d'orangers à l'entrée et au fond des vallées. La production était telle qu'en plus de la consommation locale et de la fabrication d'une boisson alcoolisée, le Hava Anani, Tahiti pouvait se permettre d'exporter vers la Californie. À la toute fin du 19e siècle, la tristeza, maladie à prolifération fulgurante, attaque les orangers. C'est l'effondrement. Aujourd'hui, la production annuelle est de l'ordre de 5 tonnes, localisée exclusivement sur les différents plateaux au-dessus de la Punaru et dont l'accès est strictement réglementé. Après 2 ans de Covid et 2 ans de Rahui décidé par l'Association des porteurs d'oranges, le plateau a été à nouveau ouvert en juin 2022. Sa pousse au Fénois grimpe dans les hauteurs sur le plateau de Tamanu à la rencontre de jeunes porteurs passionnés, tous deux prénommés Arinui. Papa Taura, président de l'Association des porteurs d'oranges, les accompagne, les conseille et les guide. Il détient depuis 2001 le record du nombre de glanes descendues sur la plaine. Nous, on est la nouvelle génération qui continue à préserver notre, hein,
Notre vallée, j'ai 23 ans et ça fait 5 ans que je suis dans l'association de la protection de la Pnaru. C'est l'emblème de la commune et ça représente beaucoup pour nous, qu'on puisse profiter, que ça ne devienne pas « il était une fois les oranges ». Et pour ça qu'on continue de venir ici. On a plusieurs étapes. Première étape, de venir au refuge. Et la deuxième étape, c'est de se lever tôt le matin pour pouvoir aller chercher les mieux oranges, hein, avant que d'autres les prennent avant nous. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi. On essaye, ouais, de se réveiller le plus tôt, hein, et d'arriver avant les autres copains. Les anciens sont là pour nous apprendre tout ce qu'on ne sait pas, parce que pour connaître toute la vallée, il faut avoir réponse avec les anciens. Jamais aller tout seul, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout les difficultés qu'on rencontre pour monter dans l'arbre, c'est extrême. Hein. Elles sont bonnes, nos oranges. C'est bio, hein. C'est les mêmes oranges, mais à différents plateaux. C'est pas la même couleur, c'est pas le même pas, hein. C'est pas aussi le même sucré. C'est pas la même couleur quand tu ouvres l'orange. Chaque plateau est différent, mais pour moi, tous les plateaux, tous les oranges ici à Pnaru sont bons, hein. Juste les cueillir à thème, hein. On fabrique nous-mêmes, pas oublier le couteau, hein. C'est juste des petits moyens pour t'aider à grimper, hein. Crochet, la corde, hein. C'est un arbre, comme on dit, tumuhari. Soit tu montes la corde, tu fais des crochets. Sinon, comme nous, on fait, comme on dit, poupa avec le tumu, hein. À l'ancienne, hein, sans rien, quoi. Nous avons dit que nous avons Il y a eu le Rahui qui a été mis en place il y a 2 ans et nous on était là jour pour entretenir la vallée. Hein. On s'est occupé des espèces envahissantes, les myconias, le pispis, tout ça. Fallait les éradiquer. On a fait aussi de la replante de pieds d'oranger, hein, pour pouvoir multiplier les pieds d'oranger en haut. Une bonne chose le Rahui. C'est une très bonne chose. Hein. Si on pouvait même faire 5 ans de rahui, nous on serait pour. Hein. Comme nous on est formé au bûcheronnage, du coup on coupe tous les arbres. Nous là, le seul arbre qu'on ne coupe pas, c'est le pied d'orange. Tout ce qu'il y a autour, on coupe. Le seul moyen de sauver l'oranger, c'est de le nettoyer, de le mettre au soleil. Hein. Tu ne peux pas laisser un oranger comme ça, hein, se régénérer tout seul. Il y a trop d'arbres envahissants autour. Les envahissants, tu coupes un envahissant, ça repousse 10. Tu coupes 10, ça repousse 50. L'envahissant, il va plus vite que le pied d'orange, tu vois. Nous, on voit déjà aussi avec les espèces endémiques, même ça, ça tue aussi nos orangers. Si on devait sauvegarder l'endémique, on n'aura plus d'orangers. Du coup, il faut faire un show, hein.
Mura wa da mato I furui e ani e ani ho pa I te me na na te mo brari tau rea pa hoi ato mo ano ni. No te mea I hio na o mi te mea rei ro tana te mana o mea vere ra ai te rewa I tata. Tana te me o ti ra ya hanere hanere ti hapa tata ya na me no te o ti ra I te moro o ti. No ria e te ani ani rei da ra I a te pātau I a e hana mei o te parahu a tara tau parahu te tamato ho tomo ra mei ne mata ho I mua mei te pātau rea a tau mua mai ha mei rau e Yeti e alu a he on a hana mei e taui barabati ni pahai te hare tātai te ria pai mea ai te mea anani waha e ore a nyan e rau hi e ore rōna Plein au moins pour la chenille. On voulait avoir plus, mais demain on ira encore cueillir pour en avoir un peu plus. Nous on les vend à 5000 francs et on a d'autres les vendent un peu plus cher. Pendant l'année et même avant l'ouverture de la cueillette, on prend le temps d'entretenir le chemin hein, pour que quand les porteurs rentrent, ils puissent rentrer en sécurité, qu'ils soient le plus à l'aise possible. Parce que si on n'entretenait pas, ça, difficulté extrême encore plus là. Hein. C'est très dur de porter le bambou, hein. C'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que nos oranges coûtent cher. Ça nous rapporte de l'argent. Hein. C'est ça, ouais, notre premier moteur. Et deuxièmement, c'est on aime ça, hein, c'est dans le cœur. On aime porter le bambou, on aime souffrir à Punaru parce que c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on attend. Ça se passe qu'une fois dans l'année. Tous les porteurs sont présents à la fête de l'orange. Ils défilent devant un public toujours plus nombreux. Ils vendront les agrumes sur le bord des routes, dans des filets tressés, les glanes, qui contiennent de 17 à 18 oranges chacune et pèsent de 4 à 5 kilos. Maururoa à tous ces porteurs d'oranges qui, toute l'année, œuvrent avec passion pour que vivent ces oranges sauvages garanties sans pesticides. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Ça pousse au Fénois le mag qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines.